Bonjour, un petit coucou pour vous montrer très rapidement les dernières nouveautés de la boutique, en particulier les produits de chez Minté. Donc j'ai reçu ces blocs en 20 par 15, donc c'est vraiment les dernières nouveautés. Vous avez des pages donc pour faire des découpages de fleurs. Vous avez plein de styles différents, donc des feuillages, des fleurs. Voilà, c'est un papier assez épais. Donc vous découpez tout ça au ciseau. Vous pouvez ancrer les bords si vous voulez ou pas. Et vous les superposez avec des mousses 3D. C'est facile et c'est très joli. Voilà, joli produit. Ensuite, la dernière collection qui s'appelle Love Letters. Alors je ne l'ai pas encore ouverte. Je vais regarder avec vous. Donc comme d'habitude, on a toujours deux fois les mêmes pages. Donc elles sont en double. Vous avez une première page avec un bonus sur la couverture à l'intérieur. Donc ça reprend comme thème le courrier, les machines à écrire, les plumes, les fruits, les oiseaux, les coquelicots, les pivoines. Nous avons encore des papillons, une règle ou un mètre. Ancien, voilà des petites étiquettes, tout ça c'est tout joli. Ensuite, sur la première page, on a donc les fleurs qui sont reprises ici, donc dans les tons un peu beige rosé. Voilà un faux uni, c'est très joli. Oh, que c'est beau ça! Ah oui, alors ces lettres d'amour, ça porte vraiment son nom. On a un cœur ici. Ça ferait une très belle page pour un mariage ou des choses comme ça, ou pour des amoureux. Ah, c'est vraiment très joli. Rien que la page, là, une photo, deux, trois fleurs découpées, superposées, et vous avez une superbe page. Donc ici, on a une table avec une chaise. Et des papillons, oiseaux, machine à écrire, ça reprend le thème. Donc on peut quand même les couper en deux, en quatre aussi, ça passe. Ici des livres, un motif à carreaux dans les verts pâles. Ah, c'est très joli ce vert-là. Dans les mêmes tons, des fleurs. Il y a toujours une page de fleurs hein, avec des papiers mintés. Des pois. Donc là, on est sur le top beige clair, rose saumoné, vert amande. Donc toujours les belles étiquettes. Donc là, il y a 12 étiquettes avec à l'arrière toujours les jolis cadres. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc là, vous avez deux fois exactement les mêmes pages. Voilà, comme ça, si vous n'hésitez pas à découper un côté, vous avez toujours une deuxième page. Ensuite, chez Minté encore, donc j'ai reçu en réassort le papier Marimi en 15-15 cette fois-ci. Pour changer du 30-30, parce que des fois vous me dites que les motifs sont gros. Donc là, ce sont exactement les mêmes motifs, mais en plus petit. Donc c'est très joli. Donc là, on a 24 pages, 4 fois 12 motifs. Non, ça fait 48 pages. Ah oui, un recto verso, plus les bonus. Ok, c'est très joli. Ça, donc on a qui dit pour les enfants. Alors là, des tons ni rose ni bleu, mais orangé, jaune et vert pâle. Donc c'est pareil, c'est très mignon. J'adore ces motifs. Vraiment, c'est super mignon. Petit lapin, la souris, le petit chat. C'est très très beau. Toujours les petites étiquettes. Enfin voilà, bon, c'est toutes les pages identiques au grand, mais en plus petit. Cette maison de souris là, avec toutes les petites souris ici. Un petit chat qui surveille, il est tout mignon. Des ballons, des cœurs, enfin c'est très joli. C'est très très doux. Puis vraiment c'est mixte. Donc pas de jaloux, pas de garçon, pas de fille. Hop. C'est pour les deux, c'est bien, c'est parfait.
Et donc une nouveauté, alors toujours jeune, Forever Young. Alors là, c'est très coloré. Alors des cartes d'anniversaire, là je pense. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est toujours le carrousel. Ça, j'adore le manège. Les rosettes, donc ça peut donner des idées. Vous pouvez faire des rosettes, des banderoles en fanion pour décorer vos cartes ou vos albums. Regardez si c'est joli. Ah, on voit pas trop bien. Il y a des macarons. Une petite licorne dessinée là sur les cupcakes. C'est très très joli. Donc celui-ci, je l'ai pris, la grande roue, en 15-15 uniquement. Pour faire des cartes, c'est plus pratique. Le 15-15, il y a toujours les belles étiquettes. Bon voilà, hein, c'est très très joli. Très 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 joli. Voici pour ces nouveautés. Ensuite, pour Noël, du rouge avec des fleurs de chez Marianne Design. Des stickers d'hommes à paillettes. Alors ça, super aussi. Vraiment très joli avec tous les tons de rouge qu'on a pour Noël. Je vous remontre le dies du sapin. Alors découpé dans un papier pailleté, comme ça vous pouvez voir la taille. Il est très très joli à jouer comme ça. Ensuite, du papier miroir dans différentes couleurs. Là, pour vos décos de Noël, ça va briller, ça va pétiller. Et ensuite, j'ai reçu le réassort des papiers artistes décor. Donc, il y a celui de Noël que je vous avais montré. Celui-ci, j'en avais pas commandé beaucoup, donc j'en ai repris quelques-uns. Donc, Steam Time, alors je pense que c'est un peu sur les voyages. Mais voilà, il y a des motifs de vieux journaux. J'adore, c'est très très joli. Alors c'est vintage. Là j'avais fait une vidéo, il me semble que je les avais déjà ouverts, ainsi que ceci, l'école de la magie, style Harry Potter, où là vous avez toutes les pages, plus encore 8 pages en 15-30. Elles sont dedans, hein. C'est pas la dernière fois je vous les ai présentées et vous pensiez que c'était un paquet de pages en 30-30 et un paquet de 15 en 30, mais non, c'est vraiment le lot, les 8 pages en 30-30 et les 8 pages en 15-30. Voilà, avec tous les embellissements et les belles étiquettes. Voilà pour aujourd'hui, cette petite vidéo rapide. Profitez encore du Black Friday, c'est encore jusqu'à la fin de la semaine sur la boutique. Il y a des choses qui ont été remises en stock suite à des commandes non réglées. Ça arrive fréquemment quand on me règle en chèque et qu'on m'envoie jamais le chèque. Donc il y a des articles qui sont revenus dans la boutique. Voilà. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.